Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. À La Seyne-sur-Mer, les habitants de la cité Berthe changent d'adresse. On connaissait le Fructidor ou le Messidor. Il faudra désormais dire la rue Louise Michel ou l'avenue Stéphane Hessel. Reportage. Avenue Louise Michel. Voilà. Vous hésitez ? Il faut qu'on apprenne, on va dire, la nouvelle adresse. De nouvelles rues, des immeubles numérotés, un changement de taille pour cette habitante de la cité Berthe. Elle dispose désormais d'une adresse précise et complète. Avant, on n'avait pas de nom de rue attitré. Donc, on avait un souci au niveau des colis, des lettres. Donc, là, je trouve que c'est mieux. Au lieu d'être au Fructidor à 6, on habite la résidence de Figuier au 223 avenue Stéphane Hessel. Ce nouvel adressage s'inscrit dans le projet de rénovation urbaine de la cité. Les noms Messidor, Fructidor et Vendémiaire n'existent plus. 16 nouvelles résidences ont été rebaptisées en concertation avec les résidents. 1400 foyers sont concernés. C'est une bonne chose parce que du coup maintenant on est moins catalogué. Donc quand on envoie des CV, on a vraiment un nom de rue, un nom d'immeuble avec des résidences. Et ça fait moins les personnes, ils viennent de la cité. Du coup, dans un CV, ça passe mieux. C'était un quartier un peu exceptionnel, avec une mauvaise réputation, un peu dans lequel on ne rentrait pas. On avait de la peine, c'est un peu une enclave fermée. Et les travaux réouvrent le quartier, il y a de la circulation qui s'introduit. Et là, c'est l'étape où, à un moment, les choses rentrent dans le normal, dans l'ordinaire. La mairie et plusieurs associations ont mis en place un service d'accompagnement pour aider les habitants dans leur démarche de modification d'adresse.